c'est Lola. Salut, moi c'est Émilie. Et moi c'est David. On vous présente Reika, notre chien. On a tout vendu en France en mars 2022. Nous voyageons à bord de Georges et Géraldine. Alors, suivez-nous, abonnez-vous et likez. À bientôt. À bientôt. Bon, et bien là, je crois qu'il est parti à neiger. C'est chouette. J'ai glacé la neige. Ouais, ça c'est toute la glace là. Là. Nathan, trous. Il a sorti des trous hier. Hier, ça n'a pas dégelé de la journée, l'herbe était blanche. Et là, le chemin, on voit pas bien, mais en vrai, le chemin là-bas, il est déjà blanc de neige. Ça neige bien là. Là, ça neige bien, ouais. C'est chouette. On est jeudi, il a un petit peu neigé. Que c'était ? Oh ! Ah, allez ! Non. Qu'est-ce que c'est? Du chien. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas grand-chose, là. Bon, les enfants, on va où? Il pleut un peu. Oui, il pleut un petit peu, hein. Mais bon. Préférez la neige. Ouais, des gros cadeaux. Ouais. Vous marchez dedans. En plus. Trop chouette. Allez, croque le poireau. Il est en train de le dépioter. C'est trop long. Et dire qu'on peut pas aller au Danemark. Mais t'as du mal à mâcher du poireau. Oh chien. Oh, non, même pas. Ah, ça y est. Si, ça y est, il faut que ce soit tout petit. Oh les gars, c'est compliqué. Hein. Du chou. Là, on va poster nos lettres au Père Noël. On est dimanche. Il fait pas trop froid. Il y a du soleil. Voilà. Tu
Mais il fait pas très froid, tu dis? Ouais. Et moi, ben, je suis tombée deux fois sur la glace. Voilà. Allez, petite balade. Oui, Nathan aussi, il est tombé. Salut les copains. Bon, les lutins, ils m'ont fait plein de gaffes. Et là, ça a bien gelé là dehors. Ouais. Donc, on vous fait plein de petits bisous. Bye bye. Hello les amis. Bon, ben, il neige aujourd'hui. On va aller en bas de Rodemack chercher un colis que ma cousine a envoyé. Et puis voilà. On va essayer de pas zipper. Parking où on est, bail blanc. Et ça continue. Non, pas le téléphone. Doucement ma fille, ça glisse. Oh voilà, Nathan s'est pris une gamelle. J'avais fait peur à l'écureuil derrière.
Ah, vous avez fait peur à l'écureuil derrière vous. Ah pardon, il y a un écureuil qui est passé. Arrêtez ma bifale. Ah, Tom, je crois qu'il appelle. Vous montez, Nathan? Oui. Allez, merdouin, lissez vos petits lutins. Salut tout le monde. J'avais déjà dit tout à l'heure. Ah super, bon, j'arrive moi, alors dit. Je vous dis bonjour. Voilà. Bah, c'est chouette, il neige, on voulait partir à la montagne. Merci. Mais du coup, la montagne est venue à nous. C'est trop chouette. Ah, la neige est venue à nous, c'est la voilà. Montagne, c'est difficile. Bah là, on s'y croirait. La route est blanche de blanche. Faites gaffe, on est sur les pavés. Hop, ouais. J'ai failli échapper le téléphone. Ça, ça va être comique, cette vidéo. Ouais, je crois. Il y a moyen de rire. Trop tard. Oh, bonhomme de neige. Ouais. Vous rassemblez la neige. C'est une grosse boule. C'est pas une boule. Allez, viens comme ça. C'est plus gros. Maman, regarde la boule. Tu la veux? Et toi, tu la veux? Tu vas la manger? D'accord, ça c'est peut-être bon. C'est fini. Ah, non. Ah, c'est de l'eau. Bah, vas-y, hein, mais oui, c'est la boule aussi. Allez, vas-y. Charge. Et du coup, tu peux abriter mon sac? Ouais. Donc là, j'ai mis le sac à Émilie qui est en cuir à l'abri parce que ouais, elle a oublié de le laisser. Toi, ça va dépoter. Tu vas rester sur place. Croise tes jambes. Non, j'ai mal aux genoux. Ah d'accord. Attends, attendez, là il est lourd. Hein. Ça grandit ces petits monstres. T'es prêt? Prêt. On y va. Surtout. Allez, fais le cliché. Et relève-toi maintenant. Debout. Oh, quel magnifique ange. Non, je n'attends. T'aurais dû faire le démon à côté. Mais tu veux que je le fasse, moi? Merci. Allez, c'est parti. Tu fais quoi, Lola? On le voit même pas tellement tout est blanc. Mais vas-y doucement. Accroche-toi. Allez. C'est parti. Accroche-toi.
Et c'est ça la glace, les gars. Tu vois, vente de sapin, il en vend dans sa cour. Il a mis l'affiche. Ah, bah là, c'est mort. On pourra aller chercher un sapin. Celui-là. Bon, après notre bataille de neige, hein, où j'ai gagné bien sûr. J'ai bien amusé, regardez. Tu as regardé. Oh, Max sous la neige. Pas le téléphone, Bidou, s'il te plaît. Pas grave. Maman. Ouais. Taille, mamie. De la neige dans les... Ouais, à 3-4 cm. Allez, allez viens, ouais. Allez, viens, viens. Oui, oui, oui. Allez, mon cœur. Bon, alors voilà, il est 10h40. Et je crois que c'est la deuxième fois en France où ça nous arrive qu'on tombe en panne de gaz. Donc là, on va au Luxembourg chercher du GPL et demain, on ira chercher du propane. Aujourd'hui, il a bien neigé et puis ces trois derniers jours, il a fait tellement froid qu'on a chauffé jour comme nuit. Je crois que la dernière fois que ça nous est arrivé de tomber en panne comme ça, c'était en Charente. C'était retrouvé à Auchan, à Cognac et c'était fermé, ils ouvraient que le lendemain matin. Donc on avait dû finir la nuit sans rien. Et là, bon, ça va, il n'est pas trop tard. On a réveillé les enfants du coup parce qu'ils dormaient. C'est le truc qu'on a horreur, mais bon, là, pas le choix. On ne peut pas rester sans chauffage, on ne peut pas rester sans frigo. Mais ça va, on n'est pas très loin. On est à quoi, 15 minutes. Ouais, 15 minutes, c'est pas non plus trop loin, ça va. Ça va les loulous? Ouais. Ouais, hier soir... On a fait les services, on a tout fait, sauf ça. On savait qu'on n'avait qu'une bouteille sur les deux et qu'elle était bien entamée. Voilà. Encore une fois, ne jamais remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. À méditer. T'as froid? Ouais. T'as froid? Il y a combien là? Je sais pas. Il est gratuit? On fait le plein de GPL et après on attend, il sera tard et après on va aller mettre du gasoil tant qu'à être là, comme ça ce sera fait parce que demain il faut aller à Thionville chercher l'autre gaz. Ah ça y est, bon, ça a été vite, 33 secondes, impeccable. Bon, on met le gasoil, je sais pas si vous voyez. Vous n'allez pas voir. Ah si, il est à 1,504, 1,50. Ça, c'est agréable. Ah, le Luxembourg a pas que des inconvénients. Hein. Allez, on prend le gasoil, on fait le plein et on rentre, on va se coucher. Ce sera plus que l'heure. Allez, je vais coucher Nathan. Parce que là, je crois qu'il est reparti à dormir. Lola est déjà dans son lit. Ah, elle dort aussi, je crois. Ah non. Allez, bonne nuit à tous. Salut. Allez, bon alors, après ce petit oups de gaz, tout le monde a bien dormi? Ouais. L'école? C'est fait? Oui. David est parti chercher un colis qui arrive des Charentes. Après, on part chercher une autre bouteille de gaz pour la sécurité cette fois-ci. Et après, on repart à Roadmac, j'ai un autre truc à récupérer.
pour des courriers. Et après, peut-être l'Allemagne. Faut qu'on aille voir pour un sapin. On a des trucs à faire. Ouais, et après, on lève le camp, on attend nos pneus et on se casse. J'allais dire, on se taille. Je crois qu'ils en ont marre de la Moselle, mais nous aussi. Salut. Salut tout le monde. Salut. Bon ben voilà, ça y est, on est parti. On va s'en aller du QG de Rodemack où on était depuis 4 mois. Vous êtes pas contents? Si. Ouais. Voilà, pour continuer nos aventures. Ouais. Et là, on se dirige vers Mondorf-les-Bains, juste à 10 minutes, faire les services. Après, en Allemagne, pour un dernier kebab. Ouais, il fallait. Un dernier kebab allemand. Et puis voilà. On va faire une petite nuit en Allemagne. Ouais. On attend les pneus de Georges. Qui doivent arriver, on espère, fin demain. De semaine. Demain, on pense. Ça se fait bien, on les fait monter. Et après, suspense. Et après, on verra. On verra, on va se laisser porter un peu. On va pouvoir. On était juste. Je vais avancer. Là, vas-y. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ouh. Ah, la fenêtre était bloquée. Voilà. Donc, on était ici, on laisse notre petit Irlandais sur place. Voilà, bon, c'était devenu. Plutôt un champ plein de boue qu'autre chose actuellement. C'est ça. Mais ça nous a permis encore une fois de faire de belles rencontres, de revoir Guillaume et Elisa, qu'on laisse du coup sur le Luxembourg. Peut-être qu'on se reverra un jour. Ouais. Et puis voilà, écoutez, continuez à nous suivre. Allez, bienvenue aux nouveaux abonnés. Sur et YouTube. N'hésitez pas à commenter, à nous dire aussi ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, de quoi vous aimeriez qu'on parle. Ouais. Ça nous aiderait aussi pour pouvoir vous partager davantage. Et puis voilà, continuez, hein. Suivez-nous. Ouais. Merci et à on vous. On repart. Merci et à bientôt. Allez, à bientôt. En plus là, un peu gris, jaune, noir, c'est un peu mitigé tout ça. Hein. Enfin, en tous les cas, Rodemack est très joli sous la neige. Ouais. Ça donne un autre charme au village. On a eu l'espace d'une journée pour ceux qui ont suivi sur Instagram. Ouais, une petite journée de neige, mais c'était pas déplaisant. Mais, ouais, ça fait du bien. Les remparts sont assez jolis aussi. C'est pas très grand, mais ça suffit pour se promener. Il y a une épicerie locale, une boulangerie. Et ici, là, sur la place où on a fait la bataille de neige, il y a un marché une fois par semaine. Le jeudi. Le jeudi, ouais. Il y a une aire de jeu pour les enfants vers là-bas. Vous voyez, là, vous avez la boulangerie. Et il y a même un vendeur de fruits et de légumes là aujourd'hui qui est là. Voilà, on est à Mondorf-les-Bains, on fait les services. Ah, tu m'as fait peur. Fais le plein d'eau. Voilà. On a trouvé notre sapin. Ah, oh, ouh. On est rendu où? On a gagné. On l'a eu. Allemagne. Oh, regardez-moi. Pour fêter notre départ de Rodemack. Ça, c'est magnifique après 4 mois. Et les enfants, ça va? C'est bon le McDo? Ça se passe bien? On va manger des petites frites. Et un bon petit kebab. Ouais, honnêtement, on dit petit, mais il fait quand même l'avant-bras de David. Hein. Non, bon, celui-là, c'est dans une galette et David, c'est dans du pain. Pour pas trop cher. Ils sont énormes. Pour la quantité, c'est pas trop cher. Non, ça va, moins de 30 euros. La Dillingen. Ouais, Dillingen, super donneur kebab. Des Turcs qui font ça. Des Turcs allemands, hein, comme dit David. Des Turcs allemands. Et ça, des boîtes. Donc, si vous avez l'occasion, eh ben, venez manger là-bas. Ouais. C'est good!
D'accord. Ouais, on a quitté l'Allemagne. On repart de l'Allemagne après avoir bien mangé, bien dormi. On va chercher des pneus pour Georges. Ouais, je coupe la musique sinon on va se taper les droits d'auteur. Ouais, les pneus sont arrivés. Donc on y va, on espère qu'ils vont nous les monter là aujourd'hui. Ouais, normalement c'est bon. Et après on a les joints encore des portes à aller chercher. Ouais, c'est couvert mais c'est joli hein. Ce sera demain, ouais, les joints, on va voir. Donc là, on va à côté de Metz pour les pneus. Et après, on verra où on va. On laissera Georges décider. Bon, allez, Georges est dans l'atelier, si on peut dire ça. Ils l'ont rentré juste pour dire que les roues sont dedans. C'était juste pour dire. On va être à l'abri. On verra une fois qu'il sera un peu de côté s'il ne touche pas les parois à droite ou à gauche. Et on verra en sortant s'il ressort entier aussi. Il a eu du mal à manœuvrer. Hein. Non, c'est pas moi. Donc bon. Non, le monsieur a voulu le faire. Il a voulu le faire même. Bon, on verra bien. Georges, j'ai tout refait. Les pneus sont remis tout neufs. Voilà. Regardez ces beaux pneus. Bon, ça y est, on est garé. Bon, il fait déjà nuit, on n'aime pas trop arriver sur les spots de nuit, mais bon, on n'a pas le choix. Bon, il est que 6h, hein. Ouais. Les nouveaux bousins sont montés sur Georges. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et demain, on vous montrera là où on est garé. Ouais. Et puis voilà. Les loups sont déjà au lit, mais bon. Ils ont un peu froid. Il est que 6h. Bon, bonne soirée, à demain. Et coucou tout le monde. Bon, ce matin, hier soir, on s'est garé. On est à Thiocourt-Régnéville. Voilà. Une erreur relais flot bleu. Voilà. Et du coup, là ce matin, on a fait l'école, révision, et je vais en profiter avant de partir à changer. Les feux de gabarit là le deuxième là qui a lâché, un feu de éclairage de plaque aussi. Et après manger, on ira chercher les joints pour Georges, les joints de porte. À Charme, à côté d'Épinal. Voilà. Et Nathan fait du vélo. Au moins il pleut pas encore. Bon, il pleut plus. Salut. Allez, on continue. Comment je fais hein? Comment on va pouvoir conduire avec Reika là. On va chercher nos joints de porte. On reprend la route, on repart. Puis après, on va essayer de trouver de la palette aussi pour fixer notre sapin. Ce serait bien qu'on le rentre et puis qu'on puisse le décorer. Voilà, voilà. Thank you.
Donc du coup, il y a eu une complication avec les joints. Bon, c'est pas grave parce que c'est un joint spécifique. Le joint qu'on avait commandé sur le site était pas le bon. Était un peu juste. La lèvre de recouvrement du contour de porte était pas assez longue. Voilà, du coup on l'a ramené le lendemain. Voilà, remboursement sans difficulté. Et puis maintenant, il faut qu'on recherche encore du joint, le bon. Donc voilà, on continue et après là on va se diriger sur l'Alsace pour faire un marché de Noël alsacien. On va voir, on va se laisser porter un peu. Et puis on vous refera une vidéo en fin de semaine, je pense vendredi, où vous verrez du coup l'Alsace et ce qu'on a fait et la suite peut-être ou pas. Voilà. Continuez à vous abonner, partager les vidéos, la chaîne. Et puis continuez. Likez, commentez. Et voilà. À bientôt. À bientôt.